une route barrée en prévision du passage de la tempête Kirk. Une trentaine de départements français dans la Vendée sont placés en vigilance orange à cause des inondations. Dans cette petite commune, les élus locaux se préparent à l'arrivée des pluies. Nos digues ont été renforcées et rehaussées. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est quand même toujours inquiet, prêt à bondir avec les agents techniques. S'il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population. Avant d'arriver en France, la dépression Kirk est passée au large de la péninsule ibérique où elle a provoqué des dégâts, comme ici dans le nord du Portugal, dans la région de Porto, où des centaines d'arbres ont été arrachés par la violence du vent. Des chutes d'arbres qui sont à l'origine de plus d'un millier d'incidents recensés par les autorités, comme des voitures endommagées ou une circulation ferroviaire interrompue. Plus de 300 000 personnes sont également privées d'électricité. Dans l'Espagne voisine, la Galice, située au nord-ouest du pays, a été la plus touchée par la tempête. Des conditions météorologiques qui ont conduit à l'annulation de plusieurs vols dans différents aéroports à travers le pays. L'épisode de pluie a par ailleurs causé d'importantes inondations. La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne devraient également ressentir les effets de la tempête au cours des prochains jours.